Salut à tous, c'est Sylvain et c'est parti pour la Code Fun du week-end. Donc cette semaine, on est parti sur 6 matchs. Donc j'ai déjà parlé des deux premiers dans une autre vidéo. Donc je les rappelle rapidement, c'est la victoire de Liverpool qui va jouer le titre contre Wolverhampton. Donc victoire de Liverpool 1-30. Et en Italie, la victoire de l'Atalanta contre le Genoa. Donc l'Atalanta qui est pour l'instant qualifiée pour la Ligue des Champions et qui doit défendre sa place. Donc victoire contre le Genoa à 1,48. Je rajoute 4 matchs. Donc premier match, Lille qui reçoit Bordeaux. Donc les Lillois, 5 victoires sur les 7 derniers matchs à domicile. Ils ont marqué 10 buts sur les 2 derniers, dont 5 contre le PSG. Bordeaux, c'est 4 défaites consécutives, 0 victoire à l'extérieur depuis le 15 janvier. Un peu de mal à finir la saison. Donc Lille, pour assurer la deuxième place, cote 1,40. On retourne en Italie avec le Torino qui reçoit Sassuolo. Donc le Torino, une seule défaite sur les 15 dernières journées. C'est une équipe qui peut encore accrocher l'Europe. Sassuolo, ils sont invaincus sur les 6 dernières journées, mais ils jouent plus rien. Il y a beaucoup de nuls, donc méfiance aux nuls quand même. Mais je dirais plutôt Torino. Donc victoire pour moi du Torino à tenter, cote 1,53. On repart en Angleterre, Leicester qui reçoit Chelsea. Donc Leicester, 4 victoires sur les 5 dernières sorties à la maison. C'est une équipe qui finit bien la saison. Chelsea, ils sont assurés de disputer la Ligue des Champions. Ils se sont qualifiés pour la finale de la Ligue Europa au tir au but. Donc à mon avis, il y aura un peu de fatigue. Ils auront un peu fêté ça. Ils auront une finale à jouer. Ils vont pas vouloir se péter des joueurs. Je sens bien Chelsea faire l'impasse sur cette dernière journée où ils ont plus à perdre qu'à gagner. Donc je vais dire Leicester ou nul, cote 1,46. Et pour finir, donc Valence qui reçoit Alavés. Donc Valence qui a plié face à Arsenal et qui ne verra pas la finale de la Ligue Europa. Mais ils sont bien revenus en championnat. Ils ont un beau niveau de jeu en ce moment et ils peuvent, sur les derniers matchs, ils peuvent encore accrocher la Ligue des Champions, la quatrième place. Alavés, ils finissent la saison en roue libre. 8 matchs qu'ils n'ont pas gagnés. Donc malgré la fatigue, avec les enjeux, je vois bien une victoire de Valence, cote 1,36. Donc avec ces 6 matchs, vous avez une cote à 8,18. Si ce pari vous intéresse, vous pouvez profiter d'un bonus de 100 euros sur Winamax. Donc, si le pari est gagnant, vous pourriez remporter 818 euros. Si le pari est perdant, vous êtes intégralement remboursé et vous pouvez retirer cet argent sur votre compte bancaire. Donc voilà pour mes analyses du week-end. Méfiez-vous quand même, allez-y doucement sur les mises. C'est les dernières journées, on peut avoir des surprises. Et n'oubliez pas que tout cela doit rester en jeu. Donc je vous souhaite bonne chance et je vous dis à très vite.